Coucou YouTube, bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Rasso. Aujourd'hui c'est le Kraken Car numéro 4, on est avec Benoît, coucou Benoît. Et aujourd'hui, paf, on a brué Rasso organisé par Max Carspotter, le Kraken, et du coup Monsieur Ras Super toujours présent. Tous les réseaux en description comme d'habitude, et pour information, tous les premiers dimanches de chaque mois, organisation de Rasso sur la zone du Kraken. Voilà, donc aujourd'hui on va aller filmer des bagnoles, ça va être cool, et en plus il fait super beau, bref, c'est parti. Bon, on va faire le tour des différents parkings. Mais autant vous dire que vous allez en avoir plein les yeux et plein les oreilles. Lui, je l'avais déjà vu sur ce clin. C'est un petit 4x4 chasseur de zombies version les États-Unis qui débarque avec les gyros et tout. Il est vachement stylé. À côté 4x4 Stranger Things, tu sais, un peu dans l'ambiance. D'ailleurs, je suis en train de mater Stranger Things, bah, c'est vachement bien. Voilà, le Ford. Bon, je vous le dis de suite, on ne pourra pas filmer toutes les voitures. Hein. On fait au mieux. Si besoin, venez sur Insta si vous voulez qu'on présente votre voiture. Parce que clairement, il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup de voitures. C'est trop bien. Mais on ne pourra pas tout filmer. La nouvelle Supra est parmi nous. Avec un bleu qui ressemble un petit peu à un bleu nitrousse. Donc en gros, c'est la... C'est le dernier bébé de chez Toyota. Toyota Supra, j'allais dire Nissan, mais excusez-moi, pas du tout. Bam, elle est trop belle. Je préfère l'ancienne, mais il faut quand même reconnaître qu'elle claque. Et là, vous avez les différents réseaux et informations de l'événement, vous voyez. Regardez là. Paf, c'est mon logo, vous avez vu. La classe, hein. Bon, je vous filme une Golf, et après on passe à la suite. Golf violette, à ce qui paraît, c'est la seule en France de cette couleur. Voilà, et elle vient de chez DVA, garage chez qui on fait des collabs et on filme les voitures. Moi, c'est la première fois que je vois une Golf comme ça. Elle a tout le kit complet Maxton, avant, arrière, les belles jantes, et la couleur, elle est incroyable. Alors bon, je n'ai pas pu savoir quel était le code couleur, mais regardez-moi la couleur, ma, elle est trop trop belle. Bon voilà, j'ai le droit de filmer une Golf quand même, hein, on est d'accord. Golf R, magnifique. Bon, un petit plaisir pour les amateurs de sportives françaises. Deux RS, Clio 3 RS. Bon, la Subaru, vous avez compris. D'ailleurs, la Subaru, je la filme après, pour ceux que ça intéresse. Bon, alors, le petit plaisir, évidemment, c'est la Mégane 3 RS. Pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix dans un budget de 20 000 euros. Mais sinon, pour... je sais plus combien ça coûte. Clio, ça commence à coûter. Clio 3 RS, c'est un peu plus de 10 000 euros. Et la Clio 4 RS, je crois que c'est 16, 17, 14. En cup, peut-être un peu plus. Et celle que j'aime beaucoup, c'est celle qui a le big aileron. Il y a moyen de rajouter par-dessus quelque chose d'assez sympathique. Et la couleur la plus sympa, c'est les jaunes cirrus. Mais bon, en noir comme ça, ça fait bien méchant. Là, il y a la Polo du collègue qui a gagné les VV Days. Regardez ça. Paf. Et celle-là, on vous l'a filmée sur la chaîne aussi. Donc, elle est sur Air Ride, posée au sol. Tac, voilà. Coucou, coucou Geoffrey, ça lui fera plaisir. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Petit Sirocco R. Bon, regardez quand on parle du loup. Mégane 3 RS. Alors, est-ce qu'elle a tout? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a les Recaro? Est-ce qu'elle a le RS Monitor, etc. En tout cas, elle n'est pas jaune Cirrus. Mais elle est très jolie. Voilà, donc ça, pour moi, l'équipe,
20 000 euros, meilleur rapport qualité-prix. Stage 1 ou stage 2, 320 chevaux, je crois. Une caisse de malade, un châssis de fou furieux. Et voilà, pour 20K, vous avez de quoi vous amuser sur circuit et ressentir la sportivité. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de monde. Coucou à tous les abos que j'ai croisés. Venez me rejoindre sur Insta pour information. Je vous mettrai les quelques photos. Et si vous voulez qu'on filme votre voiture, bah, ça se passe sur Insta. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et écoutez, le Rasso se passe parfaitement bien. Très très belle organisation. Et il fait un temps de fou furieux. Bon, on va aller en face maintenant. Parce qu'en fait, il y a 3, 4 ou 5 parkings de bloqués. Donc, en avant. On va essayer de ne pas se faire écraser. Mama, la beauté. On va essayer de ne pas se faire écraser et on va aller vous montrer toutes les caisses qu'il y a là-bas. Regardez ça. Oh là 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 là. Bon, aujourd'hui, il y a énormément de monde. Donc, tout est blindax. C'est tellement blindé que le parking est fermé. Donc écoutez, on va essayer de se balader. Oui, je vais pas pouvoir tout filmer parce que si la vidéo dépasse 25 minutes, plus personne y regarde. Donc je vais essayer de vous filmer quelques voitures de chaque côté. Et si jamais je ne filme pas votre voiture, j'en suis désolé. Venez sur Insta pour réparer cette faute et nous ferons une vidéo spécialement sur votre voiture. À noter qu'il y a tellement de monde qu'il y en a même là-bas. D'habitude, c'est là-bas qu'on filme les voitures. Et donc du coup, les tournages qu'on fait, entre guillemets, présentation de voiture, aujourd'hui, on les fera en fin d'après-midi, début de soirée. Quand il y aura moins de monde, ça sera plus calme, dirais-je. Mais ça fait vraiment super plaisir de voir autant de bagnoles. Mégane 2 RS, ça, vous aurez vu toute la famille. Il n'y aura pas eu de jaloux. Paf. Voilà. Mégane 3 RS. Bah, c'est marrant, tiens, vous avez la 3. Et là, vous avez la 2. Tu préfères laquelle? Aucune. Aucune, ok. Bah, c'est Benoît pour les insultes. Benoît STR sur Twitter. Hein. Épargnez-moi dans les tags. Avec le petit Akrapovic. Et non Wish. Parce qu'à mon avis, là, c'est un vrai. Hop. Tac, tac, tac. Regardez ça. Oh là là, quel plaisir. On se croirait au States. Petit été, prépa, très joli, voilà. Qui est posé à l'ombre de l'arbre. Ouais, en Ardo, c'est vraiment fou. C'est la première fois que je la vois, celle-là. Comme quoi, tu vois, le Green Ardo, ça va vraiment sur tout. Ah ouais, une Twingo Nardo? Ah, Twingo RS, hein, mais... Ah ouais, ok. Et... Tac. Pas mal, hein. Oh, Clio 2 RS. Écoutez, vous aurez eu absolument toute la famille, comme ça, pour les amateurs de sportives françaises. À noter que RS n'existe plus. Maintenant, ça passe sur Alpine. Donc là, vous avez des voitures à garder en collection parce que la cote devrait et a déjà bien monté, mais ça devrait continuer comme ça, je pense. Une allemande, deux allemandes, trois allemandes, etc. Bon, celle-là, on s'attarde deux secondes dessus parce qu'elle est vraiment lourde. Alors, on a Kit Maxton. Couleur sanguine. Attends, je passerai jamais là, l'équipe. On va faire le tour, je vais vous montrer quelque chose. Regardez ce qu'il a. Il a le fameux aileron que je vous disais tout à l'heure. Alors ça, ça se rajoute, je crois. Alors je suis pas un professionnel, mais je crois que ça se rajoute. Et le rendu, il est vraiment incroyable. Voilà. Moi, j'aime bien ce type de délire. Ça, ça lui fait un cul de fou furieux. Puis tu vois, à côté de la Mégane 3 RS, limite, la Clio, elle fait plus méchante. Ouais. Regardez, vous avez encore une ici. Oh, jaune Sirius. Voilà. Comme ça, vous... Explication et présentation, dirais-je. Très joli. Si jamais vous voulez passer sur la chaîne, les gars, @monsieurasuper sur Instagram. J'aime beaucoup.
206 RC qui a du coup les sièges que je vous ai filmés, qui avait sur la 208 GTI BPS. Et c'est également les sièges qu'on trouve dans la 207 RC. Alors oui, c'est pas exactement les mêmes, mais on reconnaît quand même l'origine, dirais-je. Après, il y a un gang de Sirocco qui est arrivé là. Donc pour les amateurs de Sirocco, vous avez absolument toutes les versions. Bon, j'ai trouvé une voiture que Benoît aime bien. M2, simple, classique, efficace. Les couleurs M. La couleur, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. On est entre un blanc et un gris. Rétro M carbone. Petit toit ouvrant. Les bandes sur le côté. Attends, je vais vous mettre en grand angle, vous verrez mieux. Alors ça, écoute, tu vas au numbering avec. T'es le boss. Je pense que t'es quelqu'un. T'achètes ça, Benoît ? Deux fois même. Deux fois ? Ok, bah le proprio, s'il vend, j'ai un acheteur. Oh là là, mec, regarde, le diffuseur carbone. Bon, vous le connaissez, hein, moi j'aime bien le carbone, j'aime bien le carbon. J'aurais bien aimé l'entendre. M2 compétition en plus. Hein. À côté, vous avez un Cayman. Et à côté, vous avez une Carrera 4. Voilà. Pour une fois, je vais essayer de filmer un petit peu toutes les sortes, de pas trop m'attarder sur les voitures, pour essayer de vous partager le plus de voitures possible. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux, il y aura tout dans la description, Mac Car Spotter qui organise l'événement, le Kraken qui nous reçoit, et Monsieur A Super qui vous fait profiter de cette jolie vidéo en 4K, avec un son d'extrêmement bonne qualité. Kia GT. Alors si je ne dis pas de bêtises, est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Mais il y a une Kia, je crois, qui a les... Ou alors c'est la Hyundai. Enfin bref, il y a une voiture comme ça qui a deux portes d'un côté, une porte de l'autre. On l'a sur Arma for Life, mais je ne saurais plus vous dire c'est laquelle. Type R, ça plaira au Jap. Elle est jolie celle-là en plus. J'en ai déjà filmé une carbone en veux-tu en voilà. Hyundai i30N, je ne connais pas du tout. Donc voilà, comme d'hab, hein. N'hésitez pas à venir sur Instagram si vous voulez qu'on présente votre voiture et nous apprendre un peu plus sur le milieu de l'automobile. Après, vous me direz, on ne peut pas tout connaître. Voilà. Opel OPC, tu as bien aimé ça? Non? C'est vrai? Bonjour. Avec la nouvelle mode du covering. Alors avant, il y avait le biton, après il y avait la bande, après il y avait le 3 quarts, maintenant c'est ça la nouvelle mode covering. Moi personnellement, je trouve ça joli, mais après c'est comme tout, toutes les voitures vont l'avoir, après il y aura une nouvelle mode. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. L'avantage, c'est, je pense, niveau budget, ça coûte beaucoup moins cher que faire un côté complet, et puis ça permet de couper, là ça fait un peu Spider-Man d'ailleurs, j'aime bien. Après on a une Corsa OPC, c'est vrai? C'est ça? Ça va? Bonjour. C'est toi qui as mis un tube dessus? Full tube. Il y en a une qui est passée chez BV Exa, c'est ça? Non, justement, c'est pas toi? C'est une grise. Ah ouais? Bah, la tienne est plus rapide comme elle est noire, non? Ouais, bah c'est ça en vrai. Hein. C'est sûr et certain, j'aime bien. Pot d'échappement, alors t'avais la Mégane 3 RS qui avait un port HDMI. Toi, ils sont partis encore plus loin, ils ont raccourci le port HDMI. C'est ça. Ils ont fait un triangle, ouais. Triforce de Zelda. Elle est jolie, je peux filmer l'intérieur? Ouais, vas-y, bah il y a juste ma femme et mon fils là-dedans, mais... Ah, moi je vais filmer que l'avant, voilà. Bonjour. Foutube, Decathlon, sur la manière. Combien tu sors? 215 chevaux et 334 km de couple, mais quand je l'ai passé au banc, il y avait une bride à mon échappement. Ouais. Et une bride dans la boîte à air, donc là j'ai retiré. Et j'ai fait une course contre une 307 GTI, j'étais devant. C'est vrai? Donc, ok. Toi, t'as l'air très très fan de ton OPC, c'est bien? Ah bah, je kiffe donc. Ah ouais? À la vie à la mort? Piston, bien forgé, turbo, stage à plus. Ok, bah écoute, si tu veux la filmer, n'hésite pas à envoyer un message sur Insta. Y'a pas de soucis. Tu pars à quelle heure aujourd'hui? Ouais, milieu, fin d'après-midi à peu près. Bon, ouais, à voir si tu veux. Je peux te la démarrer si tu veux. Allez, vas-y, on va se mettre derrière. Allez, attendez, laissez-moi passer. Vas-y. Tu fais des flammes avec? Avec le diffuseur en carbone, vous avez vu? Bam! Ah ouais, en effet. Ah, ça fait beaucoup de bruit, hein. Attention à toi. Vas-y, je me recule. Attention les oreilles, l'équipe.
venir gueuler que je fous le bordel, tu vois. Ça marche. Bah écoute, tu fais un sacré bruit. Les gens voteront dans les commentaires ce qu'ils en pensent. Et du coup, t'as quoi? T'as un tube? Bah ouais, full tube. Et là, j'ai juste fait un peu le piqué, mais là, ça sera fait rapidement. J'ai retiré mon silencieux. Et ah ouais, là, ma ligne elle s'arrête au niveau de ma roue. Mais il faut que je prenne rendez-vous pour avoir la sortie. Ça marche. Bah comme ça, vous auriez un peu de son dans cet épisode. Voilà. Bon, merci. Pas de soucis. Allez, continuons. Parce qu'après, on va dire que c'est un super, il vient sur les rassos, il fout le bordel. Un petit peu de son, tu vois, un petit peu de sonorité. Ça a plu à tout le monde. Ça t'a plu? Ça, là, j'ai déjà filmé, je crois. J'ai déjà filmé, non? Bonjour. Ah non, c'était une autre voiture que j'ai filmé. Ça va bien? Alors, qu'est-ce que tu penses de ce rasso? C'est un bordel. C'est vrai? Bah, c'est vachement mieux que les autres. Ah! T'as une ambiance de mal, quand même. Ouais, mais en même temps, t'as un youtubeur vachement célèbre qui vient filmer les voitures. Ouais, c'est vrai, voilà. Ça fait beaucoup. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça fait tout. Mon sourire et mes yeux bleus augmentent la beauté du rassemblement. On a plein. Bon, à tout à l'heure, bonne balade. Allez, venez, on va aller voir les autres. Bon, je vous ai dit, on pourra pas tout filmer, mais on essaye de faire au mieux. Bon, les petites BMW là, parce que bon, quand même, il y a un petit covering sympa. Je pense que c'est un covering. Hein. Après, en peinture, ça peut se réaliser aussi. C'est pas le même tarif. Voilà. Je compte sur vos pouces bleus et vos partages. Hein, parce que comme vous pouvez le remarquer, on se donne du mal pour essayer de faire rentrer en 20 minutes 457 voitures. Benoît, il a compté, il a dit. Hein, dit Benoît. 458. 457, il y en a une qui part. Allez, ça fera plaisir. Audi 80 GTE. Je ne connais absolument pas cette voiture. Mais je sais pas, il y a un volant OMP. Là-bas, il y a un bazar un peu bizarre. À mon avis, ça doit marcher quand même. Je pense qu'elle a une ligne. Tac, regardez. Après, on a Mustang. Encore Mustang. Oh là là, les vues que je vous fais. Et là, un gros Jeep. La couleur est folle, noir pailleté. Grande Cherokee. Attention, je crois qu'à Cram, on avait un en SRT. Alors ça doit être un truc de malade mental, à mon avis, non? C'est pas celui qui fait 808 chevaux ou un truc comme ça? Déjà, tu vois les disques, les étriers de frein Brembo et tout, tu comprends que... Putain, c'est joli, il a mis un petit... Or, c'est d'origine, je sais pas du tout. Tu crois que le Predator, il a été rajouté? Ah, il est joli, hein. Allez, approchons-nous. Oh la vache, t'as vu ça? Regardez ce qu'il a fait. Petit goujon là qui ressort. Les pneus sont neufs. Hein. Un Z. C'est bête, elle fait pas de bruit la M. Dommage. Alors si Maxton nous écoute. Si Maxton nous écoute, sachez que vous avez parmi les passionnés sur ce parking beaucoup d'utilisateurs de votre boutique en ligne. J'ai même l'impression que là, il n'y a point de concurrence. Oh là là, laissez-moi passer. Maman. Voilà, petit Abarth. Bon, vous le savez, j'adore les Abarth. Mais il faut avouer qu'en bleu comme ça, elle est vraiment magnifique.
Allez, on approche de la fin de l'épisode, mais quand même, c'est un mix covering peinture. Allez, magnifique. Là, il y a un peu de travail hein, quand même, on va pas se mentir. Allez, on passe en grand angle, sinon on verra rien du tout. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que tu aimes bien, Benoît? Hein? T'aimes bien? Avec le petit pit stop là, ça c'est trop bien. Alors, ça c'est du rajout de rajout, mais c'est vraiment trop bien. En gros, quand il freine, ça bip bip un peu comme, comme les F1. Il a mis des tubes, il a coupé, paf! Paf, paf! Elle fait un bruit de fou furieux en plus. Alors, on se retrouve avec Christophe, bienvenue. Bonjour. Alors, Christophe, vous êtes le propriétaire de cette Sirocco. Oui. Et il n'y a plus beaucoup d'origine. Non. Alors, qu'est-ce que vous avez fait sur cette voiture? Réfection complète de la carrosserie, des trains, enfin, complet. Et puis un swap moteur. Et qu'est-ce qu'on a du coup maintenant? Un moteur de Golf 3 GTI 16 modifié. Ok. Et là, ça sort combien de chevaux? 170 chevaux au roue. Ok. Et je vois, il y a un mano, il y a arceau, etc. C'est pour la piste? Ça peut faire de la piste, mais c'est dans l'esprit racing. Mais c'est pas du run? Non, non. Ouais, je vous disais aussi... Non, c'est juste pour le style. Mais c'est un vrai arceau, par contre? C'est un vrai arceau, fait maison. Ok. Et c'est le gros mano, là? Qu'est-ce que c'est? Un contour. Parce que celui d'origine, il n'était pas assez... Ça fonctionne pas avec l'électronique. Ah, ok. Allez, magnifique. Et le rouge, c'est quoi comme rouge? Un rouge d'origine Volkswagen, Golf 2. D'accord. Qui est encore jusqu'au Golf 7. Bah, elle est magnifique. J'avais jamais vu l'ancien, le premier Sirocco. Ah. C'est ça, c'est le tout premier, lui. C'est le tout premier. Ah, il est fou, regardez. C'est, ouais, 1B. Le 1B? Ouais. Et on voit avec la plaque, c'est une première main, limite, on pourrait dire. Non, c'est pas une première main. Parce que ce type de plaque-là, aujourd'hui, c'est je l'ai depuis plus courant. 17 ans. 17 ans de passion. Ah, elle est trop belle. C'est votre seule voiture? Pour l'instant, oui. Ok. Qu'est-ce que vous pensez des nouveaux Sirocco? Ils sont pas beaux. Ils sont pas beaux? Ah, c'est dur. Bah après, quand on a mis autant de travail dans cette voiture, c'est vrai que même au niveau des pneus, j'avais pas fait gaffe à les rabaisser, etc. Elle est magnifique. Hein. C'est du 14. 14 pouces? Oui. Ça lui donne une gueule vraiment sportive quand elle est posée comme ça. C'est la... avant les Corrado. Juste avant les Corrado? Ouais. Ok. Ah, magnifique. Très joli. Je peux filmer l'intérieur? Allez, profitez-en. Ah, ou le moteur, c'est possible de juste ouvrir le capot? Ouais. Allez. Vous allez voir. Profitons-en. Celle-là, je crois que c'est la seule Sirocco. Non? Pas beaucoup de concurrence dans le secteur? Il a anéanti la concurrence. Waouh! Ah oui! Oh, ça aurait été dommage de ne pas le filmer, honnêtement. Oh la vache! Ah, c'est magnifique! Hein. Toute la baie moteur a été refaite, etc. Ah ouais, c'est. Faut laisser ouvrir le capot. Hein. Allez, non? Allez, magnifique! Ben, merci beaucoup, c'est très gentil. Allez, super joli. Beau projet! Bon, l'équipe, on peut mourir tranquille, là, je pense. Insolent, il a ouvert le capot, j'ai failli faire un malaise. Quelle beauté. Bon, et là, on a le club Ford Hauts-de-France qui est présent. Voilà, et puis ça fait déjà 24 minutes qu'on est là. J'avais dit qu'on ne durerait pas plus de 20 minutes. Je n'ai pas réussi à tenir la promesse, mais bon, j'espère que la vidéo vous a plu quand même. Bref, on cesse là-dessus YouTube, j'espère que ça vous a plu. Checkez la description pour venir au Rasso. C'est tous les premiers dimanches de chaque mois, c'est organisé par Max Carspotter, hébergé par le Kraken. Et du coup, je me déplace et je viens filmer un petit peu les automobiles, dirais-je, et discuter avec les proprios.
Venez sur Insta pour présenter vos voitures. Et puis écoutez, je compte sur vos partages, vos likes et vos commentaires pour aider cette vidéo à se faire référencer. Et j'espère qu'elle vous a plu. Voilà. Bisous Benoît. Salut. Salut YouTube. Encore une merveilleuse édition. Bien joué à tout le staff de Maxime. Et merci à tous ceux qui sont venus, ça fait plaisir. Rendez-vous le mois prochain, premier dimanche d'août. Vous savez tout. Allez, salut l'équipe.